Rebonjour les amis. Alors, vous ne me voyez pas, mais je suis ici. Je me suis mis sur le tapis pour travailler avec trois amis. On va s'amuser aujourd'hui à partager des choses à nos trois petits amis. J'espère que vous avez préparé le matériel. J'avais demandé au papa et aux mamans de vous donner trois boîtes ou trois assiettes et puis des choses à partager. Moi, j'ai pris mes pièces. Pour partager, vous avez le droit de vous amuser à prendre des bonbons, des Legos, quelque chose que vous avez en grande quantité. On va travailler aujourd'hui sur les nombres, aller chercher le bon nombre d'objets et on va aussi travailler sur les partages, partager ces objets. Donc pour commencer le travail, je vais vous demander d'aller dans votre boîte pour aller chercher le bon nombre d'objets. Vous êtes prêts? Alors, on va commencer par aller piocher 12 objets dans sa boîte. Je commence. Allez. Je les pose à côté, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Alors, comme d'habitude, je suis là, je dois vérifier. Si je n'ai pas 12 objets, mon travail, il ne pourra pas être bon. Donc, moi, je suis comme tout le monde, je reprends et pour être sûr, je recompte. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai 12 objets. Eh bien, ces 12 objets, je vais devoir les partager entre mes trois amis. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le faire, mais vous devez d'abord arrêtez la vidéo. Vous faites votre partage et puis après vous recommencez la vidéo pour voir les explications que je vous donne. Vous êtes prêts? Allez, on fait pause et on fait son partage. On se retrouve juste après. Alors, je pense que vous avez dû faire le partage. Vous devez peut-être avoir trouvé la solution. À moi, je vais faire mon partage. Je veux partager pour que tout mes amis, est la même chose. Si lui en a moins, il va être très mécontent. C'est pareil pour notre ami qui vient de Chine. Alors, je partage dans l'ordre. Ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais prendre mes pièces qui sont là, et puis je vais déjà en donner une à tout le monde. Est-ce que j'ai encore assez de pièces à donner? Je pense que oui, si j'en ai assez. Eh bien, je vais encore en redonner une à tout le monde. Allez. Alors, je regarde ce qu'il me reste sur mon tapis. J'ai l'impression qu'il m'en reste encore assez pour tout le monde. Alors, je vais encore en redonner à tout le monde. Donc, tous les amis ont chacun trois pièces. J'espère que vous voyez. Voilà, trois pièces, trois pièces, trois pièces. Il me reste encore à partager. Ah ben, est-ce que je peux les donner celles-ci? Il y a trois enfants. Ah ben oui, je vais continuer à les partager. Hop, hop, hop. Et voilà, je n'ai plus rien à partager. J'ai tout partagé. Et tous mes amis ont le même nombre de pièces. J'ai partagé de façon équitable. Lui a quatre pièces. Lui a aussi quatre pièces. Et notre dernier ami a aussi quatre pièces. Est-ce que vous aviez trouvé la même réponse? Bravo. Alors, on va continuer. Je range toutes mes pièces. Et on va le faire avec un autre nombre. Alors, je remets tout dans la boîte. Et maintenant, je ne prends pas 12 pièces.
Je vais en prendre 16. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vérifie pour savoir si j'ai le bon nombre d'objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allez, je vous laisse faire le partage. On se retrouve juste après. Je veux enregistrer une autre petite vidéo avec ces partages. À tout de suite.